Et bien salut tout le monde, c'est PetGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à comment bien paramétrer OBS Studio pour enregistrer votre écran de bureau ou sur un jeu tout simplement. Donc c'est parti. Se trouve en description, vous allez tout simplement télécharger OBS Studio version 21.1.0 comme vous pouvez le voir juste ici au-dessus. Et donc vous allez vous rendre sur OBS, vous l'installez, vous faites tout ce qu'ils vous disent dans l'ordre. Et ensuite vous arrivez sur cette interface-ci. Logiquement peut-être qu'elle sera de couleurs différentes, elle sera peut-être en de ce style-là, peut-être, ou alors de ce style-là en dark, ou alors de ce thème-là en défaut en blanc, ou alors en comme ceci, Rachni, comme ceci. On peut laisser en dark, comme ceci, on va faire OK. Donc c'est dans les paramètres, hein. Vous pouvez ici aussi y accéder pardon, au-dessus dans Fichier paramètres, comme ceci. Et donc maintenant, on va voir comment paramétrer et organiser tout ça pour faire une belle vidéo sur son bureau ou sur des jeux. Donc c'est parti. On va d'abord commencer par aller ici, tout en haut à gauche, dans Profil. Et on va faire Nouveau profil. Et là, par exemple, moi, je vais l'appeler tuto, comme ceci, voilà, c'est parfait. Vous allez créer une scène, donc je vais vous montrer comment créer une scène. Hop, non, on va pas supprimer celle-ci. Je vais vous montrer comment créer une scène. Soit vous faites clic droit ajouter, soit vous faites le petit plus ici, et là ça ajoute la scène. Et du coup, moi j'ai déjà créé, elle est juste ici, je l'ai renommée tuto. Et c'est parfait, on va pouvoir faire vos réglages, donc des réglages personnalisés pour bien enregistrer. C'est parti, on va aller dans les paramètres, vous pouvez accéder aux paramètres juste ici. Donc ça c'est assez simple. Et donc une fois que vous avez ouvert vos paramètres, ben ça ressemble à ceci. Donc on a général avec la langue, etc. Donc ça c'est le truc de base avec le thème, hein, bien évidemment. On a ensuite le flux. Donc ici le flux c'est tout simplement pour partager ou stream. Donc ça je vous avais déjà fait des vidéos sur ça précédemment. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Tout se trouve ben, dans la description. Je vous ai mis un lien. Donc il y a deux tutoriels que je vous avais fait pour savoir comment stream en live sur YouTube, bien évidemment. Et on va aller surtout dans la sortie. Ici, et c'est là que ça va un peu plus se compliquer, il va y avoir pas mal de détails à comprendre. Je vais vous montrer ça. Donc tout simplement dans le mode de sortie ici, on va mettre avancé, comme ceci. Et ici, dans la partie streaming, on va toucher à rien, c'est tout simplement le live en ligne, tout simplement le live YouTube ou Twitch par exemple. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans enregistrement, et on va toucher ici à format d'enregistrement. Au lieu de mettre FLV, on va mettre tout simplement en MP4, qui est la norme de base pour tout ce qui est YouTube, montage, etc. Donc c'est plutôt bien de mettre MP4. Ensuite, piste audio, ça dépend de vous. Si jamais vous voulez si vous voulez enregistrer par exemple votre micro sur une autre piste que celle que vous jouez, donc avec le son du jeu par exemple, pour tout simplement ajuster ça en montage, ou alors si vous faites tout l'enregistrement pardon d'un coup avec une seule piste, et alors là il faut bien régler pardon dès le début ben l'audio de la vidéo. En tout cas moi je vais laisser ici pour le tutoriel une piste audio comme ceci, juste une, et dans encodeur on va changer. On va mettre ici H264 comme ceci. Ensuite, tout un tas de paramètres va se mettre. On va aller cocher tout ça. Donc ici, dans contrôle du débit, vous allez mettre CBR comme ceci. Alors là, je vais vous donner quelques astuces. Donc le débit, c'est à peu près la qualité de la vidéo. Du coup, là, vous voyez que 2500, c'est assez médiocre. C'est vraiment, on va dire, de la 180p en fait. Donc c'est vraiment médiocre, ou voire peut-être 360. Nous, ce qu'on va faire, c'est que pour avoir vraiment une qualité avec des détails, etc., pour enregistrer votre bureau, si vous mettez par exemple 10 000, comme ceci, CBR, ça va vraiment fonctionner et ça va être parfait pour enregistrer votre bureau, car il y aura assez de détails, etc. Donc c'est plutôt fluide. Il faut savoir aussi qu'il faut prendre en charge votre niveau d'ordinateur. Donc je veux dire par là le processeur, la carte graphique et aussi le CPU, donc le processeur et la mémoire RAM, pardon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc moi j'ai ici 12 Go de RAM, un i7 et la Nvidia GTX 950M, donc je suis sur un ordinateur portable. Du coup là j'utilise par exemple pour tourner avec sur mon bureau, j'utilise un autre OBS et je l'ai mis aussi à 10 000 CBR. Du coup c'est juste pour enregistrer le bureau, c'est plus pratique. Mais si jamais vous voulez enregistrer un jeu, vous pouvez par exemple le mettre à 15 000, ça fonctionnera encore mieux, il y aura un peu plus de détails dans le jeu, et c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon on a des flous de mouvements assez dégueulasses, etc. Du coup, c'est très très moche. Ensuite,
Ici, dans la réglage prédéfini du CPU, vous allez mettre super fast. Dans profil, on va mettre en main, comme ceci. Et là, on va plus toucher, on va faire appliquer. C'est parfait. Donc, dans chemin d'accès d'enregistrement, ben, vous allez modifier. Donc, vous allez parcourir, par exemple. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans vidéo. Voilà, ici, vous voyez, il y a toutes mes vidéos à peu près de jeu. Et là, vous allez choisir un dossier, par exemple, juste ici. Hein, on va choisir ce dossier-là. Et les vidéos vont se mettre dans ce dossier-là par défaut. Donc, c'est assez bien. On va aller dans audio. Ici, c'est votre canal audio. Du coup, fréquence d'échantillonnage, vous allez mettre 48 Hz, comme ceci. Voilà. Donc, ici, il est marqué en bas, le programme doit être redémarré pour que les paramètres soient pris en compte. Vous mettez canaux, c'est stéréo, obligatoire. Périphérique audio du bureau, c'est le son par exemple dans votre casque. Donc ça, j'ai pas encore de connecter mon casque, etc. Du coup, c'est directement par exemple les speakers, donc les baffles de l'ordinateur. Et ici, ensuite, périphérique audio micro. Du coup, là, c'est le microphone Blue Yeti que j'ai. Du coup, c'est parfait. On peut se rendre maintenant dans l'onglet vidéo. Ici, vous voyez que ça, c'est la résolution de base que je mets. Donc, mon écran est Full HD, du coup, je mets 1920 x 1080. Et résolution de mise à l'échelle, c'est pour diminuer la résolution et avoir un peu plus de détails. Mais du coup, moi, je vais laisser en. Ben, on va appliquer ici 1920 par 1080. Et c'est vraiment parfait. Ici, soit vous pouvez mettre bicubique redimensionné. Ok, je sais pas le dire. Donc, je disais, vous pouvez mettre soit bicubique, soit Lanczos ici. Je vais laisser par bicubique. Je ne sais pas trop ce que ça change. En tout cas, j'avais vu dans un tutoriel en tout cas que ça changeait à peu près la qualité. Et ici, dans les FPS, ben, on va mettre 60 FPS pour que ce soit beaucoup plus fluide. Et ça dépend si vous jouez à des jeux ou encore si vous tournez sur votre bureau. Et bien sûr, ensuite, vous avez les raccourcis clavier. Et l'onglet avancé, et là on a terminé les paramètres pour enregistrer sur votre bureau. Donc maintenant ce qu'on va faire les amis, c'est tout simplement régler à peu près les sources qu'on a ici. Je vais vous montrer. Donc vous allez tout simplement faire clic droit et vous allez faire ajouter. Là par exemple je suis déjà occupé à monter faire le montage de cette vidéo. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer une capture de fenêtre de logiciel, donc de Sony Vegas par exemple. Donc vous faites clic droit comme je vous ai montré ici, capture de fenêtre. On fait OK et là vous devez choisir la fenêtre que vous voulez. Donc par exemple ici sur Vegas Pro OBS Studio comme ceci, et là j'ai la fenêtre de OBS Studio, c'est plutôt pas mal. Et on fait OK et là vous allez capturer la fenêtre de OBS Studio. Bien sûr c'est juste la fenêtre, donc vous voyez qu'il y a des bords vu que la fenêtre est plus petite que tout ça. Mais en tout cas ça fonctionne plutôt pas mal. Vous pouvez la redimensionner comme ceci, hop, en la mettant bien sur les coins et en l'étirant. Si vous voulez l'étirer plus, ben vous devez tout simplement, par exemple, maintenir Shift. Voilà. Et comme ceci, vous l'avez étiré au maximum. Donc ça, c'est pas plutôt parfait. Vous pouvez aussi l'étirer en appuyant sur Alt, comme ceci. Donc en appuyant juste sur Alt, ça va couper les bords sur les côtés. Hein, comme ceci. On va couper ça. Je vais vous montrer, par exemple, le logiciel avec lequel je suis occupé à filmer. Donc si je fais ajouter capture de fenêtre, on va essayer de voir ce que ça donne si on fait tout simplement OBS. Est-ce que j'ai l'autre OBS qui s'ouvre? Non, il n'y a pas. Ah si, peut-être ici. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et vous avez tout ça à l'infini parce que je suis occupé à enregistrer sur mon autre écran avec OBS. Donc c'est OBS classique cette fois-ci. Et vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc si jamais vous voulez lancer un jeu, ça va être la même chose. Vous allez faire clic droit, ajouter, capture de jeu, comme ceci. OK. Et là, bah, ce sera la fenêtre. Donc, par exemple, capturer n'importe quelle application en plein écran en jeu. Capturer une fenêtre spécifique si vous appuyez dessus. Et ici, sur fenêtre, eh ben, vous aurez par exemple le jeu que vous devez. Donc, hop, on va mettre ça par exemple. Vous voyez qu'ici, ça ne fonctionne pas vu que ce n'est pas un jeu. Et ensuite, vous faites OK. Et là, normalement, ça devrait fonctionner avec un jeu. En tout cas, voilà les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez d'autres tutoriels de ce genre. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était iPod Gamer 172. Allez, bye tout le monde. Ciao!